Marco évoque à nouveau le projet 2026. Il n'y a pas de plan B. Alors, Marco dit que tout ça n'est pas vrai. En gros, comme quoi les rumeurs disent qu'ils sont à la traîne. C'est faux. Devinez qui répand ces rumeurs. Il n'y a absolument rien de vrai à ce sujet. Nous sommes parfaitement sur la bonne voie. Il reconnaît quand même qu'il y a beaucoup de pression. Il n'y a pas de plan B s'il s'avérait que le moteur ne fonctionne pas correctement. Notre moteur doit commencer à fonctionner. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, comme le carburant, la batterie, etc. Ce sera passionnant de voir qui sera en tête. Si les performances du groupe motopropulseur déçoivent, la porte est grande ouverte chez Mercedes pour l'arrivée éventuelle de Verstappen. Toto Wolff continue d'exprimer son intérêt pour le Néerlandais. Non mais ça oui, hein, on l'a vu, hein. Putain. Même il croit encore qu'il va arriver chez Mercedes l'année prochaine, quoi. En 2025. Faut lâcher l'affaire à un moment, Toto, hein. 2025, il va rester chez Red Bull, hein. Je vois pas pourquoi il se barrerait l'année prochaine, hein. Pour l'année prochaine. Allez, ciao.